L'ambassade des États-Unis d'Amérique près le Bénin, en appui à l'ONG ADMAD, assiste les enfants et surtout les nourrices pour lutter contre la malnutrition. Hier mardi, ils étaient donc à leur côté pour l'inauguration de ce projet de lutte contre la malnutrition de la couche infantile. Une équipe de Gulf TV Africa était également de la partie. Lutter contre le déséquilibre alimentaire et la consommation des aliments de mauvaise qualité chez les enfants, c'est l'un des combats que mène depuis peu l'ADMAB, entendez Association pour le développement de la mutualité sociale au Bénin. Un projet soutenu depuis octobre 2016 par l'ambassade des États-Unis d'Amérique. L'appui consiste à fournir à ladite association la matière première qui sert à la fabrication de la farine Mizona, distribuée gratuitement aux mères pour nourrir leur progéniture afin d'assurer leur mieux-être. Pour renforcer cette activité, l'ambassade des États-Unis a accepté le dossier et l'a appuyé par l'achat de matières premières pour offrir gratuitement la farine Mizona aux mères qui viennent à la PV pour le suivi pâturo-pondural de leur bébé. Et par la réalisation d'un panneau solaire qui éclaire vivement le centre et ses alentours, donnant un éclat très admirable à l'environnement. Les mots nous manquent pour vous exprimer notre joie et notre reconnaissance, puisqu'il n'y a pas un mot plus fort que le merci, nous vous disons simplement merci. Ce n'est pas que dans ces actions, seulement que les États-Unis d'Amérique interviennent au Bénin et en particulier dans la commune de Cotargo. Il y a aussi le TIC, financé par l'USAID, qui intervient ici aussi pour la santé des enfants par les relais communautaires dans les villages de la commune de Cotargo. Madame l'ambassadrice, nous vous en sommes gré. Pour Lucie Tamline, c'est un honneur pour le peuple américain de soutenir un tel projet qui lutte pour la suivi des enfants qui reste l'espoir de toute nation. L'ambassade des États-Unis d'Amérique près le Bénin se sent honorée de participer ce jour à la cérémonie d'inauguration du projet de lutte contre la malnutrition initié par l'Association pour le développement de la mutualité agricole au Bénin, ADMAB. C'est pour améliorer les conditions de vie des personnes qui travaillent dur comme vous et de leurs familles que l'ambassade des États-Unis d'Amérique a initié le programme d'auto-assistance. Nous voulons soutenir les communautés à la base, comme les autres, dans leurs efforts de promotion du développement. Et vous conviendrez avec moi qu'aucun développement ne sera possible si nous laissons la malnutrition détruire la vie des enfants, qui sont l'espoir de cette nation. L'ambassadrice des États-Unis d'Amérique près le Bénin loue les efforts de l'ADMAB et la rassure par ailleurs du soutien indéfectible de l'Amérique pour le mieux-être de la population béninoise en général et de la couche infantile en particulier. Chers membres de l'ADMAB, je vous félicite sincèrement pour vos efforts. Et je voudrais surtout vous assurer que le gouvernement des États-Unis d'Amérique est déterminé à soutenir vos initiatives dans le cadre du développement de vos communautés afin de garantir une bonne santé aux populations, surtout aux enfants. Je salue le partenariat solide et fructueux qui existe entre les États-Unis d'Amérique et la République du Bénin. Après ces mots, la délégation américaine et les responsables de l'ADMAB ont procédé aux échanges des présents avant d'effectuer la visite des locaux de l'unité de production artisanale de Cotargo.